T'es pas l'apéro toi? Non. Bon. Commencé avant. Ah t'as commencé avant toi, d'accord. Alors ce véhicule, je l'ai aperçu l'autre fois dans ton atelier. Il était en phase de finition. Là ça y est, il sort pour la première fois. Ouais. Première sortie. Première sortie, combien de temps passé sur ce véhicule pour le remettre dans cet état? 3 ans de travail. 3 ans de travail. C'était une épave au début ou ouais. Une épave? Train avant, train arrière déposé entièrement, moteur déposé entièrement. Tous les trains avant, arrière, moteur, tout déposé pour refaire à neuf. Alors tu l'as remis dans une configuration Tour de France existante ou tu t'es laissé avec eux? Tu as pris des images d'époque, tu t'es inspiré. Elle était chez un dépositaire Philips, pas aux couleurs là, mais elle était un dépositaire Philips de l'époque. Donc elle a participé aussi? Elle faisait des petites concentrations mais pas Tour de France. Des promotions pour la marque Philips. Voilà. Donc on avait des grandes vitres. Et qu'est-ce qu'on mettait derrière ces grandes vitres pendant le Tour de France? On mettait des appareils Philips, des téléviseurs, des aspirateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient Philips? C'est un tas de choses, hein. Alors Philips, c'est de quelle origine d'ailleurs Philips? Hollandais. Très bien monsieur. C'était hollandais, je crois que ça n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, la marque Philips. Si, ça existe encore? Je ne pensais pas. Enfin, tout ça, c'est noyé par des groupes, alors on s'y perd. Donc comme c'était marqué, ménager, TV, IFI. À l'arrière, on a une plateforme, et ça c'est génial, déjà on a appris la pluie, et puis on pouvait distribuer comme ça des prospectus pour la marque Philips, hein, avec les... qu'est-ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil. Vous connaissez tous les staffettes, elles sont sorties en quelle année? Qui c'est? Fin des années 50, un monsieur là, il est doué. Les staffettes, elles sont sorties en 59. Et c'est une révolution chez Renault. Pourquoi? Voilà, il est très très bien, je vais le garder avec moi lui. Pourquoi? Parce que c'était la première traction avant de chez Renault. Hein? Parce qu'à l'époque, ils avaient des moteurs arrière, on disait tout à l'heure, hein, la 4 chevaux, la Dauphine, la R8, la Caravelle. Hein? La frégate avait le moteur à l'avant, mais une propulsion classique. Et donc, c'était le premier véhicule à traction avant, avec le moteur à l'avant, bien sûr, de chez Renault. Suivra après, bien sûr, la Renault 4, la Renault 16 et plein d'autres véhicules, la Renault 12. Mais c'était le premier, il faut le savoir, le premier véhicule traction avant de chez Renault. Alors, vous avez coupé les portes, là, c'est marrant. Je peux m'asseoir? Alors, j'aime bien les staffettes. Il y a quelques années, j'avais récupéré un corbillard. Alors je me suis promené comme ça dans la région, mais il n'était pas vraiment en état. Et j'avais récupéré un corbillard avec toutes les tentures. C'était pas vraiment... c'était un peu glauque. Mais les staffettes à conduire, c'était très très agréable. Parce qu'on trouve quoi comme moteur sur ce véhicule? C'est le moteur de la Dauphine, à l'époque, sur les premières R8. Ensuite, ça va suivre l'évolution des modèles de série. On va trouver après le moteur de la Renault 12, hein, 1300. Et la dernière estafette sortie, je crois, c'était dans les 1980 pour les dernières estafettes. Hein, il y a eu beaucoup d'estafettes. Alors il y avait des estafettes surélevées, des basses, des rallongées. Il y avait plusieurs modèles. Et même des pick-up. Des pick-up estafettes. Hein, les menuisiers, mais beaucoup, le pick-up, il y a eu beaucoup. Et l'estafette, c'est vrai, elle a un peu disparu du paysage aujourd'hui. On n'en voit plus beaucoup. Donc celle-ci, elle est vraiment... Avec quelle année celle-ci? 67. Elle a encore les petits feux. Après, les feux vont grossir ici. La calandre aussi va évoluer. Quelques petits détails comme ça. Mais en gros, l'estafette, elle ne va pas évoluer tellement entre 59 et 80. Elle va rester telle qu'elle. Vous vous rappelez, moi je travaille à la poste. Pour une certaine génération, eh ben, quand on vous livrait un colis à la poste, ben, c'est dans l'estafette. Hein, le courrier, c'est la numéro 4.
Oui, arrivé une estafette de la Poste. Et c'était la Poste. Voilà. Elle est franchement magnifique. On a un haut-parleur, là, je pense, qui est prévu. C'est ça, et à l'arrière aussi, deux petits. Donc, pour attirer le chaland, comme on disait, et haut-parleur. Magnifique. On va vous dire, magnifique.